Hein? Qu'est-ce que tu fous là, là? Là, je sais déjà à travers la vidéo, là, à travers d'ailleurs l'écran, là. Je vois ta tête, là, comme ça, là. Je vois que t'es pas abonné, là. Tu vois le rouge reflété sur ta gueule, là. Pourquoi t'es pas abonné? Hein? Tu vois le coup de balle, non? Donc, abonne-toi. Comme tu as pu le voir, on va remonter la petite prière. T'as vu? Bon, je vais t'envoyer quelques shoots. Plutôt pas mal, hein? Tu kiffes ou pas? Dis-moi là aussi que tu kiffes ou pas. Bouchez le poté. Qu'est-ce que tu veux passer de passer 4 jours intensifs, très hardcore, sanglant, épuisant. J'espère que ça va bien rendre à la fin quand même, hein? Mais je m'y vois bien avec le petit kit déco là que j'ai déjà commandé. Oui, j'ai commandé le kit déco déjà, les gars. C'est juste qu'il faut que je nettoie les carénages, tu vois. Et peut-être dans cette vidéo, tu vas revoir. Parce que dans cette vidéo, on va remonter la partie cycle. Et au passage, il y a quelques pièces que je dois nettoyer, tu le vois, en même temps. Non, je nettoie en même temps tout dans la vidéo. Hein? Ok? Bon, il y a certaines pièces qui doivent arriver de chez AliExpress, comme les durites de frein, les gaines de câble d'accélérateur, le tirage rapide, les couvre-rayons, les poignées. Et ben moi, j'ai du boulot sur la planche. Et regarde pas la vidéo encore, hein? Si t'es pas abonné encore, tu peux mettre pause et tout faire la charge, hein. T'as intérêt à t'abonner, hein, t'as l'idée, hein. Oh, j'ai le cerveau qui joue en deux. Chier, tu. Ah ouais. Tout vernis, tout, hein. J'ai mis, voilà l'épaisseur de vernis sur le cadre. Partout, c'est vernis, même le cage de l'animal. Donc voilà pour la base de la bécane. Donc ça sera une grille anthracite avec un jaune racing. J'ai retapé aussi l'amortisseur. Donc voilà. Même là, je l'ai marqué. Mais bon, la peinture, elle est pas super sèche. Enfin bon, après, tout le reste est nickel. J'ai évité de toucher la peinture. Et ça, c'est de la peinture qui tiendra dans le temps, hein. C'est pas de la peinture. Donc là, j'ai mis fine couche, pas besoin, parce que là, il y a les carénages cachés. Je me suis plus concentré sur les barres ici, les cale-pieds et sur tout ce qu'il y a devant, là. C'est pour ça que là, je me suis permis de le porter ici, parce que là, on le voit pas. Voilà, voilà, ça avance tranquillou, les gars. On va présenter les carénages avec le kit déco. On va voir ce que ça donne. Là je les ai pas fait et là je les ai fait, tu vois. Donc là il n'y a plus qu'à rincer avec un chiffon imbibé d'acétone. Je suis allé racheter de l'acétone, donc une quatrième bouteille d'acétone. Là j'ai tout ça à faire. Quelle misère. Même ça là, ça va être misère ça. Les deux huiles et le garde-boue ça va, mais tout ce qui est détail là comme ça là, je vais en chier. Bon, les jantes qui sont là. Bon ben let's go. Je te pose et on commence le montage. Ah. Thank you.
Tu regardes la vidéo, j'espère. Voilà les pièces. Donc du coup, comme tu as pu le reconnaître, c'était le Postachis que j'avais sur le 88. Que d'ailleurs, vu que j'ai le KRM 90-100, comme tu auras pu voir les vidéos, donc du coup, celui-là, il est de côté. J'ai failli en acheter un aujourd'hui, un SR Force, mais malheureusement, avec ma maladie, j'ai pas pu y aller. Voilà. Bref, on s'en fout. Donc du coup, il y aura celui-là sur la nouvelle péteuse. En plus, ça tombe bien parce qu'il est rouge ici, il est rouge au bout, il est comme neuf encore, le pot. Donc voilà, il est encore tout neuf, c'est cool. Après voilà, j'ai quelques tenders de chaîne rouge anodisé avec les vis et les rondelles en inox, dont pas en ferraille et en aluminium, qu'il fera assez souvent. Des petites poignées ProTyper de ce style-là que j'ai l'habitude de prendre, j'aime bien parce qu'ils ont un bon grip, ils ont une bonne qualité surtout. 3 euros les poignées, franchement, il n'y a pas à chier. Petite cage à aiguille que j'ai commandé parce que la cage à aiguille du Vibroquin, voilà, tu vas le voir façon dans la prochaine vidéo du remontage moteur. Petit tirage rapide du Seigneur à 10 balles avec, avec le câble et la gaine, et franchement, quand tu vois les de la gaine, du câble, c'est plutôt satisfaisant. Il y a même le protège gaine là, comme tu peux le voir là. Moi sur le mien, j'avais pas le tender, là ils ont rajouté le tender. Franchement, c'est plutôt satisfaisant. Il y aura une petite astuce aussi à faire sur la petite roulotte pour éviter que le câble y pète. On m'a demandé plusieurs fois comment tu fais pour pas que ton câble y pète. Moi tout le temps il pète, mais il y a un truc à faire sur la petite roulotte, sinon ça pète. Mais il y a un petit truc à faire vite fait, gentiment. Voilà. Petit câble d'embrayage aussi, pareil, malheureusement c'est pas tout à fait la même couleur, mais ça va pas chipoter. Hein. Là il me manque les durites de frein. Donc c'est pour ça qu'on se reprendra dans la prochaine vidéo. Quand on remontera tout avec le moteur et tout, les sticks et tout, enfin, tout au final. Enfin, ce sera le remontage final. Voilà, il y aura les durites, il y aura tout, il y aura même le sélecteur aussi, j'ai commandé. Et la chaîne dorée aussi, je dois la recommander parce que j'ai reçu une chaîne renforcée mais noire. Je l'aurais voulu dorée. Comme vous l'aurez vu sur la vidéo, je l'ai fait jusqu'au dernier boulon cette moto. Vraiment, j'ai dit que c'est entièrement neuf, c'est entièrement neuf. Donc bon là, il y a le petit joint spi, bah, c'est bon, il me manque les chaussures. C'est dans la partie vidéo moteur, on s'en fout pour la stitique. Là, c'est partie vidéo esthétique. Donc voilà, petit kit déco. J'ai commencé à coller petit kit déco par-ci par-là. Voilà, franchement, bon, mais j'ai pris le plus fin qu'il y avait parce que ça, c'est du 200, mais tu peux prendre du 300 et plus haut encore du 400. Donc plus épais, donc du coup, il y a moins de bulles. Quand il est plus fin, ben, ça te fait des petites bulles, malheureusement. Comme là. Comme là, je me suis raté un peu. Je sais pas si tu vas lire un peu. Petit kit déco. De toute façon, tu l'auras vu sur Instagram. Je l'ai déjà mis en avant-première, le kit déco. De toute façon, c'est pas d'aujourd'hui. Mais voilà, là, franchement, ça pète sur la bécane. Ça fait vraiment tout neuf. Tout la bavette arrière et tout comme ça, là. Je la kiffe, la bavette. Il y a ma lube. Sur les huiles arrière et sur la face avant, j'ai signé mon projet. Voilà, j'ai signé ma custom. Malheureusement, c'est pas mon chiffre. Voilà, je l'ai laissé 55. C'est pas mon chiffre.
Donc voilà, on s'en fout de ça. Voilà, je l'ai fait vraiment au moins cher. Sinon, j'aurais pu très bien changer la couleur du jaune ou du rouge ou du noir, mettre du paillette, tout ça. Mais bon, niveau budget, j'ai pas pu malheureusement. C'est bien ce que j'aurais voulu parce que ça, c'est un projet custom que je fais à mon goût. Et malheureusement, j'essaye avec le budget de faire plus ou moins bien. Mais voilà, niveau kit déco, déjà, bon, c'est pas ça. Mais bref, c'est ça. Ça va claquer, ça sera beaucoup mieux de ce que c'était avant et je n'ai jamais vu de Aprilia i6 avec un kit déco de chez Kit Déco Moto. Voilà, c'est un kit déco de chez Kit Déco Moto, je l'ai acheté 100 balles. Voilà mon frère, j'espère que... Ben voilà. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais, t'as vu la vidéo jusqu'à la fin, je vois. Ok mon frère, eh ben, tu vas attendre pour la partie 4. Parce que du les pièces là, j'ai pas toutes les pièces là. Je les attends. Merde! En plus, j'ai pris de l'oxydatif parce que je suis constipé en plus. Oh merde! Oh! Merci, Morey, de m'avoir regardé jusqu'à la fin comme ça. Parce qu'en plus, c'est plusieurs heures de boulot là de ce que je fais. Alors bon, c'est sympa de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Jusqu'à là, ce que tu entends. Donc, je te remercie du fond du cœur, Morey. Gentil à ce que vous m'apportez, que ce soit pour le courage par rapport à ma maladie. C'est pour ça là, j'ai pas sorti de vidéo, ça fait un petit moment. Là, je vous bazarde la vidéo déco, tout ça. Il manque quelques pièces. Donc, on verra ça sur la dernière vidéo. Donc, la vidéo montage, tout ça là. Donc, quand on va monter le moteur et tout. Quand tu seras prêt à être essayé, etc. Parce que moi, j'attends encore les pièces. Et là, ça fait quelques temps que j'ai pas sorti de vidéo. J'ai envie de vous sortir de vidéo. Là, je sors à peine d'une grosse constipation. J'ai failli avoir un boyau qui explose dans l'estomac. Tellement que j'étais... voilà, blindé. Bref. On s'en bat les couilles. Allez, moi, bang, bang.